Alors, Toutatis est un projet colossal, que ce soit sur Minecraft ou dans la vraie vie. Dès le début du projet, cela nous a permis de relever un défi, celui de reproduire les travaux en même temps que le vrai parc. Pour réaliser cela, nous avons eu besoin de plans de l'attraction définitif. Sur celle-ci, nous avons repassé en fluo les parties importantes ainsi que l'emplacement des arbres et ensuite nous l'avons importé sur le serveur. Pour Toutatis, nous avons dû réunir plusieurs capacités au sein du staff afin de produire un travail d'équipe et une cohésion remarquable. Après avoir importé la map sur le serveur, il a fallu le placer parfaitement sur le tracé déjà de base en faisant bien attention aux alentours du parc ainsi qu'à l'échelle du serveur. Pour déterminer l'échelle, il a fallu calculer avec le build actuel. Nous avons donc calculé le nombre de blocs sur un emplacement, puis calculé en mètres ce que cela rend sur Google Earth. Une fois l'échelle trouvée avec les plans de l'attraction, nous l'avons importée sur la map. La contrainte technique était qu'on ne pouvait pas le placer sous la map étant donné que sur cette map actuelle, qui était en activité, il y avait beaucoup de systèmes. C'est pourquoi on a dû faire très rapidement pour repasser les tracés qui étaient en hauteur pour les reporter sur le sol. Après le placement du tracé, il a fallu donc commencer les fondations et le placement des premiers rails et bâtiments. Et pour cela, nous avons en partie utilisé les concept art ainsi que les simulations 3D que les groupes ont pu partager. Une chose complexe qui a dû être réalisée également pour le projet Toutatis est la refonte totale des supports de la trace du roi. L'attraction étant entourée d'arbres auparavant, les supports étaient un peu placés de manière visuelle et non précise. Mais nous n'avons pas pu nous permettre de laisser l'attraction comme cela. C'est pourquoi nous avons effectué une grosse mise à jour et une refonte totale de l'attraction. Toutatis sera, je pense, la meilleure attraction du parc Asterix Raft, voire même du serveur entier. En termes de technique, nous travaillons afin de présenter une version complète et incroyable afin vraiment de satisfaire nos visiteurs sur le serveur. Le projet est en bonne voie et nous essayons de faire le maximum pour vous présenter une version des plus incroyables dans les plus brefs délais. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la construction du projet. A bientôt.